qu'il y a des gens qui sont désireux de prendre le baptême ou pas? S'il y a des personnes qui veulent aussi la prière, il n'y a pas de souci, vous pouvez approcher, on va prier pour vous. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre leur baptême? Levez-vous, s'il vous plaît, et venez. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit... Ah, mes amis, que Dieu soit béni. Les jeunes qui se donnent au Seigneur, les enfants, nous sommes beaucoup encouragés de voir ce que Dieu fait. Qui voit ce que Dieu fait en ce moment? Je vous dis, même moi, je suis choqué. Je rencontre des gens dans la rue qui me parlent, qui disent des choses, mais je dis, mais vous sortez d'où? Ils disent, on est chez nous. Vous êtes chez vous où? Bah, en France, oui. Et ils sont au courant de ce que Dieu fait. Amen. J'ai rencontré une femme dimanche, juste pour témoigner. Elle m'a tellement choqué. Elle m'a vu, elle disait, TV de vie. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, TV de vie, quoi? Elle me dit, TV de vie. Elle dit, mais je cherche tout ça, je cherche partout. J'ai vu des vidéos qui m'ont choqué. Elle était une dame sénégalaise. Et depuis chez elle, Dieu l'a touchée. Dieu l'a changée. Elle ne va pas forcément dans une assemblée quelconque. Ça m'a tellement encouragé. Je me suis dit, Seigneur, franchement, aide-moi à ne pas passer à côté. À m'attacher vraiment à la parole de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Voir comment Dieu touche les gens, voir comment Jésus sauve des gens. Les gens viennent à Christ sans qu'on leur crie dessus. Non, mes amis, c'est tellement beau. Je ne sais pas, mais je suis tellement encouragé par Dieu de voir autant de personnes qui viennent à Jésus. Je n'ai jamais vu des gens chercher autant la parole comme ça. Avant, c'est les églises qui allaient chercher les gens dehors, dans les rues, partout, avec des tracts, des pancartes. Maintenant, c'est des gens qui cherchent la parole de Dieu. Non, c'est grave, c'est terrible de voir des gens chercher Dieu comme ça. C'est magnifique. Ne passons pas à côté. Parce que je suis sûr, c'est le début d'une big story. En tout cas, pour les baptêmes et ceux qui sont désireux de la prière, voilà, on priera pour vous avec les frères bien-aimés du Seigneur afin que Dieu puisse faire grâce. Donc, n'hésitez pas. Pour les baptêmes, Sabrina, voilà, c'est juste, tu peux... Il y a d'autres personnes peut-être qui veulent se lever, qui hésitent peut-être à se faire baptiser. D'accord. Tu peux voir Herman d'abord vite fait. On va écouter puis on va te dire. S'il te plaît. Merci. Herman va. Je sais que on est libre. Il n'y a pas de souci. Sabrina, lève juste la main. Regardez. Vous voyez la sœur qui est là. Voilà. Suivez-la. Voilà. Ça c'est pour les baptêmes. Que Dieu soit béni.